éclairer au problème qu'il y a eu hier soir à la Meno. Alors hier soir, nous étions devant le stade de la Meno. On était, je crois, une dizaine de militants à distribuer nos cartes postales. Oui. Nous avons eu un super accueil. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est complètement abject. Je ne sais pas qui est derrière cette banderole. Ouais. Mais en tout cas, ce ne sont pas des membres d'Onsoland, ce ne sont sans doute pas des électeurs d'Onsoland. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Et on le dénonce alors de la manière la plus ferme. Mais ce que je dénonce aussi, c'est l'utilisation qui est faite de cette image qui nous salit tous en Alsace, et que nos concurrents politiques l'exploitent pour essayer de jeter le discrédit sur Onsoland, c'est encore plus grave. Et c'est scandaleux. Donc, bien sûr, il n'y a aucune ambiguïté. Nous dénonçons cette dérive. C'est contraire à la philosophie, à l'éthique d'Onsoland. C'est contraire à notre charte. C'est contraire à nos idées, à l'humanisme rhénan auquel on se réfère. Donc, c'est des dérives de voyous, d'imbéciles. Mais ce qui est plus grave, c'est l'instrumentalisation qui en est faite par des gens qui sont censés participer à un débat démocratique. André Münchenbach, présidente d'Onsoland. Merci.